Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau short format. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'est passé le 27 avril 1998. C'est Tipa. Alors, le 27 avril 1998, on a découvert 5 astéroïdes. Les cachets d'iode sont disponibles dans toutes les bonnes pharmacies françaises pour lutter contre les risques nucléaires. Les premiers billets de la Coupe du Monde commencent à arriver chez les particuliers. C'est la création du Parti démocrate japonais. Mais surtout, le 27 avril 1998, c'est la sortie de Mezzanine de Massive Attack. C'est en préparant le dernier Rock Story que je me suis aperçu que Mezzanine de Massive Attack était sorti le 27 avril 1998, donc il a 23 ans. C'est un album de transition pour le collectif de Bristol qui va laisser tomber les orientations un petit peu trip-hop et va aller vers un univers un petit peu plus froid, un petit peu plus électronique, avec l'ajout notamment de beaucoup de guitares électriques. Si on ajoute à cela le fait qu'il y a énormément de tension dans Massive Attack à tel point que chaque membre n'arrive plus à travailler ensemble, la maison de disques va même être obligée d'engager un archiviste pour pouvoir remettre en ordre le travail du collectif, et vous obtenez le cocktail idéal pour avoir une bonne vieille ambiance bien oppressive comme c'est le cas sur cet album. Je le précise parce que c'est vachement important, l'ambiance est vraiment complètement différente par rapport aux deux premiers albums. Alors, comme bien souvent, ces albums de transition sont des albums qui sont vraiment géniaux et souvent les meilleurs albums des groupes. Il y a la patte du avant, ce qui fait venir les fans de la première heure, et le renouveau qui emmène les artistes vers de nouvelles influences, et ceux qui ne sont pas d'accord dans le groupe avec ça, eh ben, ils dégagent. Mezzanine ne déroge pas à la règle, véritable carton à sa sortie, va aussi faire imploser le groupe de l'intérieur, provoquant plusieurs départs de membres fondateurs. Mezzanine a donc 23 ans, il est sorti le 27 avril 1998 et c'est culte.